L'ensemble de l'œuvre d'un artiste, c'est aussi la vie. Et la vie d'un artiste, c'est une addition, c'est-à-dire une accumulation de vécu, de connaissances acquises, de rencontres, d'expériences dans des domaines variés, etc. Tous ces éléments construisent l'artiste et son art. Et c'est ainsi que Mme Caron a réussi à créer une peinture unique et de son temps, en alliant un art millénaire, la peinture chinoise, et la calligraphie à un art actuel, la peinture contemporaine. Voici les mots-clés pour une meilleure lecture des œuvres de Mme Élise Caron. Le noir. Chez Mme Caron, la création tient du rituel. Et il commence par un premier geste noir réalisé dans la solitude de son atelier. À l'asiatique, c'est-à-dire au sol, la toile à l'horizontale au plancher. Ce geste plus ou moins abstrait et empreint d'une grande simplicité n'est pas sans nous rappeler ses nombreuses heures de pratique de la calligraphie et de la peinture chinoise. Ce noir, plus ou moins rythmé, bat la cadence d'une chorégraphie en sectionnant le tableau et en construisant l'espace. Ce tracé, tel une écriture spontanée, inconsciente et automatiste, prendra des allures arboresques. En fait, une belle symbolique qui suggère d'abord l'Asie, pour devenir avec les années très nord-américaine avec sa forêt laurentienne. Les couleurs. En deuxième étape, ce sont les couleurs qui rentrent dans le tableau. Elles viennent ponctuer les espaces créés par le noir, ce dernier étant la structure arboresque. Les couleurs, comme le dit si bien Mme Caron, sont des souvenirs. Souvenirs du vert feuille d'été, du rouge fruit, du vert bourgeon printanier, du rose floral, du orange couché du soleil entre les branches. Et ainsi, chaque couleur sera une création. Chaque couleur est unique et certaines prendront jusqu'à une journée pour confectionner et obtenir la bonne couleur. Chaque application de la couleur sera exécutée à la verticale, c'est-à-dire le tableau sur le chevalet. Chacune sera appliquée au pinceau d'un geste accéléré et précis en de fines couches superposées. La maîtrise et la minutie sont telles que vous ne verrez aucun coup de pinceau, tout en apercevant encore la texture de la toile, et ce, malgré une vingtaine de couches appliquées en aplat. Cependant, le tableau est loin d'être statique avec ses couleurs vibrantes et lumineuses. Le blanc. Toujours présent dans chaque toile. Tout comme le noir et chaque couleur, le blanc a toute son importance dans la toile. Surtout que ce n'est pas un rien. En effet, il se suffit à lui-même et symbolise le silence et le repos. Curieusement, dans les tableaux de Mme Caron, le blanc est profond, c'est-à-dire la couleur la plus lointaine, celle en arrière-plan. Habituellement, en art, on apprend que le blanc, c'est la lumière qui accroche sur les parties en saillie, en relief. Par contre, le noir, lui, se retrouve dans les creux, tout comme l'éclair obscur d'un Rembrandt. Avec Mme Caron, c'est le contraire. Est-ce conscient? Aucune idée. Mais toujours est-il que ce blanc me fait penser aux premiers peintres modernes dans le milieu du 19e siècle qui découvraient les estampes japonaises et leurs perspectives particulières et aériennes.